Donc bonjour et bienvenue dans ce petit live de rattrapage du live du mercredi après-midi où on est parti pour faire du modé tranquille, peinard, pop, voilà, c'est relancé. Donc salut Clampin, de bon matin. C'est dur le matin, c'est dur le matin, surtout peut-être pour faire du modé. Bon, on va faire du modé tranquille, hein. On va poser des voix, on va continuer un petit peu sur Amiens, puis après on verra ce qu'on va faire. On fera peut-être un petit quoi qu'on fait en fin de live, donc on est ensemble jusqu'à midi. Et puis et cet après-midi, 15h, hein, il y aura quand même le live détente du vendredi après-midi. Oh. En profiter pour se poser, le temps que ça se lance. Ah, le modé, c'est quelque chose. Là, ça va, c'est un petit modpack. C'est un petit modpack. Oui. Alors, j'espère que ma co va bien. Ah, ça y est, il me met en live, excellent. Il était en instable tout à l'heure. J'ai eu un petit problème au premier démarrage. Et puis, il fait nuit. Bon, j'ai un plumard. Hop, dodo. Il faudra que tu t'absentes un moment pour faire les courses. Nos problèmes, Clampin. Hop. Oui, j'étais sur les rampes là. Ah oui, on avait bien galéré sur les rampes. Ouais, je me souviens maintenant. Je me souviens plus pourquoi par contre. C'était quoi le problème? Salut Ekishi. Je me souviens plus du problème qu'il y avait. C'était quoi? C'était il y a une semaine. Hop. Ouh, faut encore reculer. C'est dommage qu'il y ait ce bug. Salut Archon. Salut Balou. Alors on vient juste de démarrer. On s'est repointé pile où on était le dernier coup. Ah mais c'est pas mal là. C'est pas mal. Normalement il n'y a pas de rouge. On va vérifier. Non, c'est bon. Donc on va peut-être le remettre. Et on va aller tapoter sur le petit clou là-bas. Touche majuscule enfoncée, clic gauche. Ça veut pas. Il y a un truc qui le gêne. Il y a un truc qui le gêne. Là c'est tout bon, il n'y a rien. Donc je pense que c'est en bout là. Ah, oula, oui. Oui, ça va beaucoup trop loin. Ok, d'accord. Alors. Je sais plus où j'avais tapé. C'est ça le problème là. Comme il est bugué le machin quand c'est en traviol. Je vais mettre un symbole pour savoir où je me suis arrêté. Ah. Là, il faut rajouter au facilement deux blocs. Donc, hop, ici. Faut que j'enlève celui-là parce que... Si on a deux points de repère, à tous les coups, on va s'en mêler les pinceaux. Oh bah tiens. Bon, après, de toute façon, il faudra engraisser ici. Hein. Ça. Eh bah, c'est pas mal. Et du coup, ça m'a bien l'air de s'arrêter ici. Oui, parce que là, il n'y en a pas, par exemple, je pense. Là, il y en a un, mais là, il n'y a pas l'air d'y en avoir. Pareil.
Donc si ça vient bien en bout, ça doit être bon. Allez, on retente le coup. Bon, j'espère que ça va bien, vous êtes bien réveillé. Il fait beau chez vous, tout ça. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Bon. Donc on est en type de pente 110. On va faire la même ici. Plap. On met un coup sur le... Prenez-vous à ça, madame Starbre, là. Il va falloir me couper ça. Hein. À mon avis, c'est un reliquat d'un autre arbre. Vu la couleur des feuilles. Alors. Vous croyez que c'est bon? Ah oui, bien ça, c'est rouge, par exemple. Là, on voit que c'est rouge. Hop. Réveillé depuis 5h30, dit Ekishi. Je sais pas si je suis bien réveillé, mais je suis debout. Ouais. Moi, je suis souvent... Je suis facilement debout, quoi. Là, ça a l'air d'être bon. Ça a pas l'air d'être rouge. Ah ouais, non. Là, c'est le... Bon, on va le tester, et puis on va bien voir. Allez. Ça fait faire du sport, là. 110 mètres. Un 110 mètres et il n'y a pas de haie. Oh, 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 oh. Salut Calypso. Archon dit levé depuis 7h30 grâce aux enfants. Oui, grâce. Non, non, faut positiver. Ces petits chéris là. Ah, ça passe pas. Bon. Bah nous, on a la petite fille et elle dort là. Elle se fait des petites grasses mat jusqu'à 9h. Agréable. C'est agréable quand même ça. Ah ben ça va jusque là, ok. Bon ben, hé, tout à l'heure je le voyais pas et là je le vois. Donc il faut facilement le ramener de 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Et merci Alderix, bonjour à toi. Merci pour les 100 bits, merci pour le soutien. Vénard. Eh ben, bon. Je vais peut-être me fâcher avec des gens, mais bon, c'est génétique. Hein. Bon, voilà. Pour une fois, pour une fois que ça marche dans le bon sens. Pour une fois que ça marche dans le bon sens, on va pas se priver. Alors, je pense que c'est pas mal. Alors le rouge, on le voit pas systématiquement. Hein. Peut-être se mettre sous un certain... Non, ça m'a pas l'air d'être rouge. Allez, hop. La vache, il faut que tu te pousses. Pousse-toi la vache, hop. Elle gêne pas les entités, hein. C'est vraiment les blocs qui vont bloquer. Hein, par exemple, pour ceux qui... Ah, oui, on le voit le rouge. On voit un petit trait rouge, c'est pour dire ce bloc-là va gêner. Et on l'a vu quand je l'ai cassé. Ouais, je le remonte. Là, on le voit légèrement en bas. Et quand je le casse, hop, on voit qu'il y avait une trace rouge. Donc... Bon, mais allô, quoi. Je crois que j'ai réveillé un zombie. Allez, touche majuscule, clic gauche. Ah, élément manquant, 10 gravel, 25, 52, 52 segments de rail. Alors, Clampin... Ah, Clampin, les rêves de Clampin, c'est cool, ça. J'ai rêvé que je partais en croisière sur la Lune avec la Z-Space. Le copilote, c'était Fredo, et le mécano de l'espace, Che. Oh, mon pauvre... Mon pauvre Clampin. Bon, où sont les trucs? Ils sont à l'autre bout du... Oh, non, non. Non, non, on...
on laisse pas la shulker à l'autre bout du chantier quand on va poser des rails. Non les gars, c'est pas sérieux ça. Ah, attendez. Non, je l'ai sur moi. Je suis malheureux. Oh, je suis pas réveillé, c'est le matin. Je suis pas réveillé, c'est normal. Allez, live le matin, ça pique. Ça ira mieux d'ici midi. Je pense midi moins le quart, je devrais te réveiller. En plus, j'ai un peu froid, là. Il fait un temps, c'est pas possible. Il y a du soleil. Enfin, je suis à la montagne, donc le soleil... Il y a du ciel bleu, parce que je vois pas encore le soleil. J'aurai le soleil à 9h30. Ouais, 9h30, il commence à apparaître là. Bon, ben on retourne de l'autre côté. Et ben, tant qu'on n'a pas le soleil, ça caille. Parce que les températures, la masse d'air, elle est pas. C'est pas phénoménal. Hein. C'est pas transcendant. Hein. Bon, après, on pourrait se plaindre, hein, pour être en canicule. Alors, il me faut plein de rails. Il me faut plein de bois traité. Et du gravier. J'ai pas du tout de gravier. Bon, ben, il me faut du gravier. Voilà, hop. Voilà. Et hop, on casse ça et on récupère ça. Hop. Oh, en plus, elle est bien au tip-top, là. Ah, j'aime bien quand ça fait ça. J'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Est-ce que j'ai de la terre? Parce que je pense qu'il va falloir remblayer un petit peu sur les côtés. À partir d'un certain moment, probablement ici. Alors, jusqu'où on doit aller? La valeur d'une dalle? Un demi-bloc. Oula. Donc de l'autre côté, il faudrait faire la même chose. Il va faire nuit. Pop, 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 pop. Hop. Ouais, je vais remettre ma petite laine. Oh. Bon après, en vieillissant, on est plus frileux. Hein. Fini les courses tout nues dans les champs, dans les prairies, dans les alpages. Hein. Ah. Soit avant j'avais pas respecté le truc, soit ah zut. Soit j'avais laissé comme ça, possible hein. Mais mon remblai pas terrible hein. Je préfère au moins ouais, au moins ça quoi. Ça c'est le minimum. Mal à viser. Bon, les arbres. Salut Lynn. Ouh là, ça va faire un sacré remblai à faire. Heureusement que j'ai récupéré du matos de quand on a creusé ici. Ouais, donc là... Ah. Non.
Oh là là. Ah, ce matin, ça va pas. Ah, ça va pas. Allez, on se fait un beau petit talus. Bah là, ça va sauter. On la replantera, c'est pas grave. Non, mais pleurez pas, c'est qu'une fleur, hein. Eh. Pleurez pas, c'est qu'une fleur. Hop, voilà. Tiens, on va replanter un arbre aussi. Pas de place pour les arbres. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis pas réveillé. Ouf! Ouh, ça c'est pas bon, madame. Ça y est, j'en ai plus. Ah, on a tout dépensé. Mais j'avais dû laisser un coffre dans un coin, non? Ah oui, un coffre, mais il y a du brin. Ah, j'en ai un à récupérer. Donc ici c'est OK. Est-ce que j'ai mis des leviers pour les aiguilles? Est-ce que j'ai de quoi faire des leviers? Oui, madame. Plap. Ah, oui, mais il me faut de la terre. J'en ai une remarque. L'aiguille, je vais la mettre. Le levier, je vais le mettre ici. Et il en faudra un autre pour l'autre côté. Ici. Plaque. Quoique, on va le mettre de l'autre, dans l'autre sens. C'est mieux. Ah non, bah il se met toujours en inverse. Ok. Ah oui, c'est dans les versions. Alors, ici on est censé par défaut aller à Amiens, donc il est comme ça, nickel. Et ici on est censé revenir comme ça, donc il est nickel. Nickel chrome. Nickel chrome. Plop, 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 plop. Plop, 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 plop. Ah oui, et puis là les courbes elles se terminent ici. Est-ce que je me les signale les courbes? Normalement, on a un passage à côté. Sinon, quand on descend des trains, on pop dedans et... Ah oui, j'avais fait ça à l'arrache. Ah, je m'en souviens maintenant. Bon, on le fera après ça. Mais du coup, j'ai récupéré, je vais quand même finir quelque chose de propre ici. On part ici. C'était pas propre ici. Nous n'aimions pas trop ce coin-là. Ah, déjà. Ça. On jette. Oh, il faut déjà manger. Salut J1. Alors on traîne. On fait des trains. On fait des chouchous. Chouchou. Chouchou. Du coup ici on a même pas les... Ah si, on les a. Ah. Ouais, mais alors en dessous c'est vert. Ah, berk. 35, ça devrait suffire, faut que j'aille jusque là-bas. Ah, quoique. Allez, c'est bon. Faut élaguer un peu les arbres. Ah, du coup, il m'en manque un là. Hop. Bon, ici, c'est OK.
Traîner égale faire ou prendre le train. Ah. Le contraire, c'est s'entraîner. Non, le contraire, c'est détraîner. Bon, donc pour aller sur l'île, le point Z, je le supprime. Suppression. Hop. Ici, c'est OK. Tac, tac, tac. Ici, c'est OK. Maintenant, il faut raccorder. Faudrait raccorder là. Ou alors. Ici, ça supprime, hein. Oui, puisque le triangle, il sera ici. Et ici. Ouais, donc ça se supprime. Ben, on va supprimer ça. Hop, hop, hop. Donc, cette dérivation, on la garde. Ça mange pas de pain. Ça, par contre, ça saute. Il n'y a plus besoin. Enfin, a priori. C'est-à-dire, dans le futur, on en aura besoin. Mais a priori, maintenant, vu que là, c'est les voies de la compagnie de Boulogne, de Amiens à Boulogne, ils sont pas censés être reliés avec le triangle de Longo. Donc on fait sauter, on fera autrement. On fera autrement. Donc ça, allez, on prend la pioche. Tapez 6 tuer tous les PNJ, coucou du boulot. Coucou Fredo, les pauvres PNJ. Alors, après, donc on fait sauter ça. Ouais, cool. Et puis on récupère plein de trucs. Cloc, cloc, cloc. Ouais, cool. Cloc, cloc. Ici, on continue. Oui, cool. Cloc, cloc. On va récupérer ça aussi. Hop. Ça, on le fait sauter. Ouais, cool. Cloc, cloc. Ah, bah, ça fait du bien. Ah, ça fait un peu de ménage. Je trouve qu'on y voit beaucoup, mais alors beaucoup, 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 beaucoup plus clair. Hein. Hop. Donc là, faut que je vire les aiguilles. Elles servent à rien. Ouh. Bonjour tout le monde. Salut Céline. Merci pour le prime, ton prime. Et 18e mois d'abonnement. Pop, pop, pop. Carotte d'émeraude, du coup, alors. Oh. Alors, ça, on le vire. Oui, en plus, ça va quand même simplifier le truc. Et plus c'est simple, il n'y a pas de miracle, hein. Plus c'est simple, plus c'est gérable. D'un autre côté, quand tu. Salut, 3 points. Oh, 3 points. Allusion à l'aéronautisme. Donc, on a dit, on fait sauter l'aiguille. Oh non! Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va la refaire. Puisqu'en fait, il faut faire un virage d'ici à là-bas. Donc on va reprendre, plop, 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 et on va pas s'embêter, on va prendre une courbe personnalisée à long terme. Le rayon, on s'en moque. C'est la longueur d'ailleurs, hein, quand on est en truc. Position fixée. Oui, on va faire une position fixée. Hop, on se met là, ploc. On met un petit coup de marteau dessus, un petit coup de clou doré dessus, ploup. Et on va ici. C'est juste comme ça? Ok. Ouais, parce qu'un 3 points en aéronautisme, ça veut dire quelque chose. Enfin, c'est différent d'un 2 points. Oh, c'est pas beau. Oh, vous avez vu le truc là? Un petit coup à. Bon, pour limiter la casse de ça. Pourquoi j'ai un. Ah, parce que je l'avais mis d'ici. On va casser ici.
Oh là là, oh vache. Ah, ça, c'était de la grande longueur là. Ah ouais, jusque là-bas. Ok. Faut me faire des petits, hein, des petits tronçons, les gars. Hein. Je sais pas. Faites comme vous voulez, hein, mais les petits tronçons, c'est mieux, hein. La boulette. Je vais le mettre ici, le truc. Alors, plaque. Et on veut une belle chatte courbe là. Donc, on veut se mettre ici. Hop, je clique. Et on va aller voir la tronche qu'elle a. Si elle est belle, on la garde. Ouais, elle est pas mal là. Ouais, elle est pas mal. C'est une belle chatte courbe à son pépère ça. Et on est parallèle à celle-là, c'est nickel chrome. Bon, puis après, on refera un bout de fixe là-bas, hein, c'est pas grave. Donc, je pète cette aiguille. Attention. Ça fait toujours drôle. Hein. Et là, je pense qu'on va avoir le même problème. En fait, c'est trop près. Oula. Oula. Oulala. Oula. Vite, la boîte miracle. Ploc, ploc, ploc. Il faut que j'en garde quand même un petit peu, les gars. Voilà, 58, c'est pas mal. Hop, et un petit peu de gravier. Nickel chrome. Hop. Alors, avant de la détruire, on va faire le tracé. Hop, tac, le petit clou doré qui n'a jamais vraiment marché pour aller se balader. Mais c'est pas un clou. Et s'il y en a qui ont la ref, bon là on voit que ça fait un ventre là-bas. Donc c'est pas bon, il faut reculer, 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 reculer. Ouf, ouf, ouf. Ah. Bon, ça veut dire qu'il faut pas reculer. Ouais, faut. Tac, 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 tac. C'est à cause de l'aiguille qui est trop proche. Mais normalement, il y aurait pas un bout là en plus. Attends, on va se faire une aiguille. Ouais, c'est ça, elle démarre. Elle démarre toujours au truc pile. Donc je pense qu'il doit y avoir un petit bout. On va virer le petit bout. Tant pis, hein, si ça marche pas, faudra refaire l'aiguille. Ouais, c'est bon. Ouais, quand on pose une aiguille, il y a toujours un aiguillage. Il y a toujours l'aiguille, justement. Elle démarre juste pile. Bon, ben ça, j'enlève. Et donc, je reveux une courbe personnalisée. Hop. Salut, Agnès. Pop. Plop. Alors, on va pas se mettre loin. Ouais, bah elle est pas. Elle se rapproche ici. Hein. Mais bon, si on l'éloigne, ça fait quoi? Ah, c'est mieux. Là, c'est mieux. Ça passe mieux. Ouais, ça va. Elle se chevauche pas trop. Est-ce qu'on peut la reculer encore plus? Limite arriver ici. Alors, elle commence à dévier ici, on voit là. Je sais pas si vous le voyez bien, si vous avez une assez bonne résolution, mais voilà, plus je recule, et plus ça part ici à gauche. Donc il faut pas trop reculer en fait, il faut trouver le juste milieu. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal du tout, du tout, du tout, du tout. Donc ça on le dégage, désolé. Aïe, 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 aïe. Salut Jessie et bonne course Clampin. Plop, on a tout récupéré, nickel chrome. Bon, ben on va se poser ça tranquille. Oh, il faut déjà manger. C'est épuisant de faire des voies. C'est épuisant et c'est antifrugal.
pas si ça existe comme mot, mais bon, ça me paraissait sympathique. Alors, touche majuscule, on spamme le clic gauche, hop, et on vire ça. Pareil, et on vire ça. Oh, c'est mieux. Oh, c'est formidable. Moi, je dis c'est formidable. Donc, on va faire les lignes droites. La droite 110 fixée. On se met là. Un coup là. Et hop, on va de l'autre côté. Ouais, 110, ça va jusque là. Et hop, nous on veut aller jusque là. Bon, il faut retourner de l'autre côté pour la casser, mais on va placer celle-là ici. Oh, eh, il est futé le Z, hein. Eh, y en a là-dedans. Hein. Sinon, j'aurais pu poser les deux en même temps là-bas, hein, mais oui, en fait, ça aurait été plus intelligent. Ouais, je m'aperçois qu'il y en a là-dedans, c'est pas valide en fait. Ouais, non, il y a pas là. Non. Ah vache, c'est bête ce que je viens de faire. Mais bon, faut pas le dire, comme ça les gens qui ont pas fait attention, ils disent oh vache, ce qu'il est fort. Eh oui. Mais non, en fait, non. Et c'est souvent comme ça, hein. Ne vous laissez pas berner par les gens qui croient tout savoir. Et qui affirment haut et fort plein de choses. Oh, il me manque des rails segments. Plop. Voilà. Tadam. On va se recharger de toute façon, hein. Pop, pop. Toujours être au max. Max de la forme, voilà. Bon, et ben nickel chrome. Donc, on a le triangle des Bermudes qui est fait. Popopopo, je l'ai pas fait. J'ai pas fait popopopo. Ah, si j'ai pas fait popopopo, ça va pas. Hein. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. J5, coulé. Le... Donc ça c'est nickel. Ah. Là il faudrait que je relie ça. Ouais, avec ça. En espérant qu'ici ça marche. Parce que là. Alors, ben on va faire pas. On va faire la même. Clac. Mais là, on va le faire intelligemment. Ouais, je fais les voix d'Amien, ouais. Jessie. Tu peux me tutoyer, hein. Je tutoie tout le monde, c'est beaucoup plus simple. On n'est pas dans un cadre professionnel ou de dépendance hiérarchique, hein, puisque à son chef. Ouais. Ah, attendez. Ouais. Ok, ouais, ça marche. Il faut retaper sur le truc. Ok. Ouais, donc ça aurait pas marché en fait. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que je pensais pas intelligent. Non, que je pensais intelligent. Alors que j'avais fait un truc que je pensais pas intelligent, ça marche pas. En fait, ce que j'ai fait était intelligent. Du moins, pas plus bête que le truc que je croyais que c'était intelligent, alors qu'en fait, c'est pas plus intelligent que le truc que j'avais fait qui était pas, que j'avais dit que c'était pas intelligent. Parce que quand on a sélectionné une voix, enfin, on peut pas jouer sur la longueur des deux voix en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais qu'il est 9h43, c'est pas évident, hein. Même pour moi, et pourtant je suis très tôt opérationnel, moi. Enfin, surtout à 9h32. Hop. Parce que là, en fait, il faut que je reclique avec le petit bâton, avec le petit... Ah, il est où le truc ?
avec le petit clou, il faut que je retape ici pour resélectionner celui-là pour pouvoir sélectionner la longueur de celui-là. Quoique mes chefs, on peut les tutoyer maintenant, de toute façon c'est à la mode. Ah ouais, ouais ça fait proche. Ouais, ça fait proche des employés ça. Comme au Québec. Tic tic tic. Je te maîtrise toujours autant, mais tu peux me tutoyer. c'est pas pour les Québécois ça, hein. C'est pour les chefs de toutes les nationalités. Enfin les chefs, il y a des bons chefs. Tu vois, il y a les bons chefs. Ils sont bons chefs. Et puis il y a des mauvais chefs. C'est des chefs, mais ils sont mauvais. Voilà. C'est ça en gros, ouais. Salut Lorenzini. Oh, il manque des rails secs, bon. Après, moi, j'ai, dans ma vie, j'ai été un peu chef aussi. Hein. J'étais chef d'équipe. Enfin, il y avait des personnes qui travaillaient... ouais, sous ma... Ouais. Je suis pas sûr... J'étais jeune, je suis pas sûr d'avoir été bon. Quand on est jeune, on est un peu... Le problème de quand on est jeune, c'est qu'on croit tout savoir. On a plein d'idées, surtout... Je l'avais pas fait celle-là. Elle a disparu, hein. On est d'accord, Archon. Elle est là en fait. Ah, il y a un truc. J'ai pas d'image perdue. Il y a un buge. Il y a un buge. Ouais, voilà. Il y a eu un truc. Et je me demande si le clou... Ah non. Il pensait que le clou était resté. Parce que j'étais bloqué. Comme si ça faisait un bloc fantôme. Mais non, le clou, je l'ai enlevé. Là, je l'ai enlevé aussi. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Autant qu'étrange. Bon, on refait le plein. Hop. À peu près le plein, allez, on se bourre la tronche, là, pop, pop, pop. Et hop, on est reparti. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ici, j'ai pas mis les petits... ploc, ploc. Ah, il m'en reste. Alors, attends. Oui, parce que j'en ai cassé. Cassé levier. Hop. Donc, par défaut, alors soit on va à Amiens, soit on va à Lille. Toc, toc. Bon, ça sera automatisé, hein. Tac, tac. Nickel chrome. Ok. Bon, après... Ah, ouais, là, faut percer. Bon, on verra ça plus tard. On va continuer le triangle. Il faut qu'on ait un triangle opérationnel. Bon, là, on peut aller à Lille. On peut aller à Lille sans problème de Paris à Lille, plop plop, en passant par le raccordement de Longo. Alors, pour la petite histoire, hein, j'essaye de faire la, comme c'était en 1845. En 1845, a priori, cette déviation n'existait pas. Donc, on fallait forcément aller dans Amiens Terminus. Et... Ouais, il fallait forcément aller dans Amiens Terminus. Et on repartait sur l'île. C'est quelques années après, parce que je crois que dès 1847-49, je me souviens plus bien les dates, les trains Paris-Lille n'ont plus été à Amiens. Très très tôt. Hein. Là, les gens d'Amiens, quand j'étais jeune, ils disaient, allez, ouais, les directs de l'île, ils s'arrêtent à Longo, c'est pénible, il faut prendre une navette de Longo à Amiens. Mais très 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 vite, parce qu'ils perdaient beaucoup de temps à rentrer dans Amiens, faire un changement de machine, faire un tête à queue, aller retourner une machine ou avoir une autre machine prête et hop, repartir. Ce sont des trains décapotables pour cette fois. Non, non, c'est pas assez haut. Non, non, faudra creuser. C'est provisoire. C'est provisoire. Ça, il faut le faire sauter. Enfin, faut pas le faire sauter, faut déplacer la façade de quelques blocs. Et parce qu'il y a eu un bâtiment qui a été construit là, parce que les voies n'étaient pas censées passer là, hein, à l'origine.
les voix passaient ici. Mais je suis en train de tout décaler. Enfin, je suis en train d'agrandir. Là, ça va, ces voix-là vont rester. Ça va être les voix de la compagnie d'Amiens à Boulogne. Il y avait deux compagnies de chemin de fer à Amiens. La compagnie d'Amiens à Boulogne et la compagnie du Nord qui faisait Paris, Amiens, Lille. Puis la frontière belge. Puisque après, Bruxelles, c'était une autre compagnie. Hein. C'était une compagnie belge. Donc ça va rester. Alors je sais pas quand ils ont fait la connexion. Nous on va faire la connexion, sinon ça va être le bazar. Mais donc c'était deux trucs séparés. Et donc ils avaient partagé un peu la même gare. En fait c'est deux pavillons qui sont reliés par une halle. C'est la fameuse photo que j'ai passée sur le Discord, Lynn. Donc il y a deux gares reliées entre elles, avec des voies d'un côté, des voies de l'autre. Donc les voies de la compagnie du Nord seront ici. Les voies de la compagnie d'Amiens à Boulogne sont ici. Alors, on est en 45, la compagnie, elle va être, les deux compagnies vont être fusionnées, c'est-à-dire qu'en fait, la compagnie du Nord va bouffer l'autre, et c'est assez vite, hein, en quelques années, plop. La compagnie du Nord, c'est, je sais pas si j'ai le droit, sinon on va dire que je suis... on n'a plus le droit de dire son nom. Enfin, il y avait du pognon, quoi. Ouais, donc je rechange toutes les voies, là. Est-ce que je peux descendre sans péter une cheville, là ? Hop. Donc, on va raccorder ça à ça. Mais là, il faut que je... Là, je vais mettre des aiguilles pour pouvoir me rebrancher ici. On va essayer de faire ça propre. Ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate parce que l'aiguille, elle doit être comme ça. Alors, attendez. Hop, 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 hop. Type aiguillage. Avec une courbe à... Alors, si j'avais été comme ça, ça devait être 90. Ça va être du 67,5. Et en rayon de courbure, j'avais pris quoi? 50? Combien j'avais pris pour les autres? On va les revoir. Salut Kiyopoti. Et salut Tank Killer. Tueur de réservoir. Ah non, c'est le tank avec les chenilles. Ouais, parce que tank en anglais ça veut aussi dire réservoir. Alors... Faut se méfier quoi. Mais je suis nul en anglais. Aiguillage à droite, R54 et R50. Ok, oui, c'est un rayon de courbure de 50. Hop, 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 hop. Ouais, des fois je joue un petit peu avec les pseudos, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de... C'est pas méchant. Hein. Je devrais pas, peut-être. Mais il faut pas le... Alors... Il faut que je sois aligné. Ma ligne droite, faut qu'elle soit alignée sur l'autre là. Et en même temps, il faut que là, je tombe bien. Par contre, le 50, c'est l'intérieur. Parce que l'extérieur, il sera en 54. Ah ouais, sinon c'est pas simple. Bon, on va le poser là pour voir ce que ça donne. Ah, il est... Ah, mais je peux le tirer, le truc. Il faut juste que je sélectionne. Plaque. Oui, c'est du modé, oui, bien sûr, tank. Un jour, on aura ça en vanille. Pop, 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 pop. Alors, il faut se décaler de un cran et ça sera très bon. Et j'étais pas loin. Hein. Là, moi, je vois un gars qui fait ça. Je suis dans le chat, je mets BJ, hein, GG. C'est fort quand même. Bon. Non, en fait, le vrai BGGG, c'est si j'étais tombé pile, mais à un pixel près. Plus ou moins. BJ, plus ou moins un pixel. Non, il faut pas hésiter à se lancer des fleurs. Parce que... Ah, remarque si je fais ça. Ah, ça marche. BJ. Ah bah oui, en fait, je le dirige comme je veux, le truc. Par contre, j'ai plus le rayon de courbure que je veux, là. Comment je sais que je suis en 50? Ah si, je le sais, parce que sans toucher à rien,
J'étais pas mauvais. Et là, je vais me finir ici. Et je vais me raccorder. Oh, ça va être tordu le raccordage ici. Ouais, faut pas que je fasse comme ça en fait. Enfin, faut pas que je fasse comme ça. Il faut que je pose. Ça va mal finir cette affaire. C'est pas le chat qui va t'en lancer des fleurs. Bah non, les chats, c'est. C'est pour ça que j'aime mieux les chiens. Alors, attends, on va se mettre un droit. Type droite, 50. Pour avoir notre point de référence. Ah, ok. On peut pas le mettre en. On va le mettre en position pixel. Qu'est-ce que ça change la position pixel? Ah ouais, c'est. Non, on va se mettre en smooth, en lisse. Alors quand je suis en lisse, je me mets comme ça. Ça, j'arrive bien à aligner. Hop, les deux voies. Donc là. Ah ouais, on voit qu'il est pas tip top l'aiguillage. Bon, on va le refaire. Type aiguillage. 50 courbe de 67,5. Par contre, il était où? Il est là, le petit clou. On casse ça. Donc, on se met là. Et alors, je vais essayer quand même d'être en position fixée. Oh, brin. Aiguillage en position fixée, si on y arrive. Mais ça va pas être évident. Ah, on est pas mal là. Où on est bien? Où on est bien, madame? Tac. Ouh, on est pas mal. Par contre, là-bas, je pense qu'on va. Ah oui, si, on est là. Oh vache. Ah si, si, c'est bon. Du coup, là, je vais augmenter le rayon de courbure. Ça se terminait où? Ici. Donc, je vais me placer là. Pourquoi il se lève? On peut faire une rampe? Oh, c'est beau ça! Il a considéré que j'avais appuyé sur. Ah, parce que. Non, mais c'est pas ça. Eh. Ah, c'est mieux ça! C'est mieux ça, madame! Ok. Bon, bah, c'est nickel chrome ça! Donc la courbe elle est très. Ouais, avant j'avais une courbe ici et une courbe ici. Ici c'était assez serré, maintenant je vais avoir une grande courbe impeccable. Ça va être complexe. Ouais, mais on commence à s'en sortir un peu là. Je trouve que c'est pas mal. Donc je vais mettre un autre droite là pour faire la deuxième voie. Donc ça c'est une fosse, hein. Enfin une fosse. C'est un guide pour bien placer. L'autre dans l'alignement. Ouais, ici on n'est pas très très bon. Donc ici on le pose en smooth. Et là je repasse en type aiguille. Donc là je suis à l'extérieur. Faut que je me mette en 54, mais ça veut rien dire puisque je le modifie. C'est pas vrai qu'il faut encore que je mange. Et il faudrait que je me positionne de toute façon à peu près à côté de l'autre, hein. Alors là, on va se mettre en fixé. En essayant de trouver. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Allez, tac. Un petit clou, un petit coup de clou dessus et zou, on va de l'autre côté. Donc là, on était par ici, on se met là. Ah, pareil. Hop, clac. Elles sont un peu écartées, mais bon. On va dire que c'est valide.
Alors après la rentrée dans le dépôt, par contre, ça va être chaud patate. Et je pense qu'il va falloir la faire après. C'est-à-dire, ici, on aura une aiguille pour venir là. Contre le truc. Il y aura une aiguille et on reviendra ici. Parce que là, faire une sortie directe par ici. Ou alors on vient la faire là, mais c'est pas évident. Ça creuse d'être un architecte. Salut MXM. Ça m'embête cette histoire de dépôt. Parce qu'après on se retrouve, on est quasiment à Longo là-bas. Ah ouais, on y est déjà, ouais. Puis surtout j'ai une courbe bizarre là. Mais bon, là on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix sur refaire quelque chose de propre. Alors je dégage ça. Parce que ça va gêner bien sûr. Pap! Je dégage ça. Je dégage ça. Je dégage ça. On dégage ça. On dégage ça. Ah. Il doit y avoir des cavernes en dessous. Et ça n'a pas été complètement complètement torché. Bon, on va ranger tout ce qu'on a récupéré là. Tac, tac. Du gravier. On récupère pas tant de trucs que ça, hein. On va le péter et puis on va le transférer bah ici. Hein. Normalement, ça devrait pas gêner ici. Voilà. Alors, je veux récupérer. Ah, le coffre, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait encore dedans? Ça, des œufs. Les têtes de zombies. Ah, il est déjà plein le truc. Ah, il me faut que je garde mes flèches. Ah bah non, non, non. On a des têtes de zombies en trop. Et puis des neufs. Comment ça se fait que le coffre, j'ai plus de trucs. J'ai pas beaucoup de chance, hein. Sur 7 œufs, un seul piaf. Bon. Ça, faut le faire sauter aussi. Ouais, elle avait une sacrée courbe là. Hein. Yeah! C'était pas joli joli hein. Ça perd ça. Mais c'est une des premiers c'est la première ligne que j'ai faite Paris-Amiens donc il y a plein de choses que j'ai un petit peu loupé quoi. C'est normal. Ah oui, il y a de à mon avis, il doit y avoir du mob là-dessous. Il doit y avoir des grottes qui ont été bouchées à l'arrache. Moi je vois bien le pépère, il dit "Oh, il y avait un trou, je l'ai bouché." Et puis ouais, on s'en moque. De toute façon, c'est des picards. Alors, par contre, si on arrive là, ça fait chevauchement. Et tac, tac, là. Est-ce que je peux la reculer? Ah, il faut que j'aille retaper dessus. Oh, lui, toi, tu vas gêner aussi. Tout ce qui est rouge, ça gêne. Apparemment, les fleurs, ça doit pas gêner. Mais bon, on va les récupérer pour aller les mettre ailleurs. Les petites fleurs. C'était lequel qu'il fallait que je tape? Celui-là. Tac. Oh, qu'est-ce que j'ai perdu? Mais combien il y avait de trucs là-dedans? Il y a encore une tête de. Un crâne de squelette?
J'ai jeté des trucs que j'avais qui étaient à moi en fait. Peut-être du bois. Tiens, des fleurs. Oh, dites-le. Avec des fleurs. Oh bah tiens, on va tout remettre en fleurs ici, vu qu'il y avait Oh, c'est mignon. Alors, ici, on voudrait que ça chevauche un petit peu moins. Donc, voilà. Ça a juste un peu écarté le truc. Du coup, ça réduit le rayon de courbure. Ça le réduit ou ça l'augmente? Vu que ça fait comme ça. Non, ça le réduit, ça le réduit. C'est-à-dire plus on est comme ça et plus le rayon de courbure est grand. Ouais. Ok, d'accord. Plop, 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 on va dormir. Hop. Vous ne pouvez pas dormir pour l'instant, il y a des monstres à proximité. Ah bah ouais, vu ce qu'il y a en dessous. Allez, hop. Oh bah on va aller dans les petites fleurs. On va aller dormir dans les petites fleurs. Oh. Ah bah on est mieux en plus. Salut Hydra 1. Merci pour le suivi. Pop. Allez. On le pose ce truc. Oula. Donc une aiguille. Hop. Une autre aiguille. Ah, il me manque des rails et segments. Enfin, c'est gourmand le truc, hein. Ploc, ploc. Alors, on va faire sauter la trace, c'est la trace de la droite ici. On va la faire sauter, on va la refaire pour faire la liaison. Voilà. Alors, on va faire quelque chose de propre. Droite. Ça doit pas être du 50. Peut-être du 6. En position lisse. Papa. Pourquoi il l'a pas pris? Tac. Salut Roger. Voilà. Ah! Ça va pas le faire. Sont exigeants les gars, hein. Les gars du contrôle qualité, ils sont un petit peu exigeants, hein. Connaissent pas nos actionnaires, un petit coup de fil, puis hop, ils vont vite rentrer dans le rang. Oh non, finalement, on va pas faire de contrôle qualité, on a confiance. Hop. Par contre, ça j'aime pas. Ah ouais, non, c'est moche. Non, ouais. Bon, alors, la solution pour s'en sortir, c'est de faire une courbe. Et vous allez dire, une courbe, mais il est malade ce gars. Oui, mais une courbe personnalisée. Ah, on va peut-être mettre un peu plus que 10. On va peut-être mettre du 20. Donc, on fait pareil. On l'aligne pile ici. Plaque. On met un coup de clou. Et on vient la positionner. Donc là, je fais des clics jusqu'à ce que les trucs. Voilà, ils sont. Pas mal là. Ça a l'air d'être pas mal. Et on va voir que c'est une. Normalement, si ça marche, c'est propre. Et c'est propre. Voilà.
Bon, ouais, on va pas s'embêter, on va faire pareil ici, hein, parce que sinon, je pense que ça va être galère, on sera pas pile poil. Allez, un petit coup de clou. Hop. Nickel chrome. Bon. Donc là, on a deux solutions. Soit on refait le truc. On est obligé de le refaire. Il faut que je fasse mon entrée au dépôt. Bon, parce que tout ça, ça saute. On aurait peut-être dû sortir la locomotive. Bon ben on est condamné à réussir. Fallait pas tout péter tout de suite. Fallait sortir d'abord la loco. comment on va faire? On a deux options. Soit on fait une voie ici qui vient là, qui vient contre ici, et dès qu'on peut, hop, on vient se marier là. Ce qu'il y a, c'est qu'il y avait le X ici, et ça aurait été pas mal le X de tomber avant le X, parce qu'il faut que les locomotives du dépôt puissent aller partout. L'appareil, les locomotives du dépôt, faudrait qu'elles puissent aller par là. Si on fait ça, elles vont venir que sur la ligne d'Amiens à Boulogne. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il y avait deux dépôts pour les deux compagnies. Je sais pas comment ils s'arrangeaient. À cet après-midi, Calypso. Et bonjour, Norzi. On y va doucement avec le langage SMS. On essaye de taper tous les mots, c'est mieux. Enfin, toutes les lettres. Parce que je rappelle que pour les vieux, CV, ça veut dire curriculum vitae. Bon, peut-être pour les très vieux. Quoique non, maintenant, tout le monde sait ce que c'est qu'un CV. Ouais, c'est rentré dans les mœurs. Dès que tu veux le moindre boulot, même un travail non qualifié, il faut faire un CV et une lettre de motivation. Ça existe encore, les CV, bah ouais. Même si la plupart sont bidonnés. Oh non, c'est pas vrai. Bon, donc l'autre solution, c'est de sortir par là. Ça veut dire que les locaux qui doivent rentrer au dépôt, si elles viennent d'ici, de la gauche, ou si elles viennent de la droite, bon, il faut une aiguille qui traverse pour pouvoir en gérer les arrivées et les départs. Après, il faut une aiguille. Il faut pas faire de manœuvre en voie directe, donc il faut une aiguille qui dégage direct, donc dans ce sens là avec un tiroir et un retour sur la plaque tournante. Le tiroir, c'est une voie en impasse, en fait, où on peut faire une manœuvre, c'est on arrive et on repart dans une autre direction. C'est ça un tiroir. C'est pas un truc pour ranger les petites culottes et les slips et les chaussettes ou les chemises. On peut mettre des chemises aussi dans un tiroir. Salut Cyril. Réfléchissement. De toute façon, là, ici, on peut rien faire. La sortie par ici. Si, on pourrait faire ça, mais ça veut dire qu'on se cantonne. On se cantonne que à la compagnie d'Amiens à Boulogne. Les voies ici. Et on peut, pour ici, pour la compagnie du Nord qui va passer ici, ça va être tout galère. Donc on va faire ça, on va arriver ici. Donc ici, on sort de la gare, on arrive ici, hein. Alors que quand on va repartir, on va être ici. Donc on arrive ici. Et ben c'est pas plus mal que ici, du coup, on est rien. Parce qu'on va pouvoir se faire une aiguille
Schlock qui passe ici. Et puis d'ici, Schlock, on va passer ici. Ici, on se fait un tiroir. Pop, pop, on remonte un petit peu. Plop, plop, plop. Donc, voie en impasse avec un heurtoir. On change de direction et on revient se mettre. Ouais, ben on vient arriver ici. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Donc, on va dégager ça. Ouh. Puis on va dégager l'autre aussi. Peut-être. Hein. Quoique. Hein, ça dépend où on l'avait. On va tester l'aiguille. Donc il faut un aiguillage. On va pas prendre du rayon de 50, hein, on va prendre un rayon de 30. Et a priori, on va prendre plutôt du 22,5. Position fixée. Ça se tente. Vers la droite. Ah non, faut faire super gaffe là, parce que c'est une aiguille. Si elles se chevauchent, les commandes vont marcher pour l'un et pour l'autre. D'ailleurs, j'ai pas mis de commande ici. C'est pas bien. Donc il faut mettre un petit bout de droit entre les deux. Voilà. Il faut forcément mettre un petit bout de droit. Il fait déjà nuit ? Non, sérieux, et on est tout le temps en train de manger et de dormir. Dans Minecraft, c'est un truc de procrastinateur. Tu fais deux babioles, tu dors, tu manges. Tu bois, tu manges. Oh, c'est le Dalton. Tel quel des Dalton ? Le Dalton X. Le Dalton mutant. Donc on va faire un petit bout de droit. Un tout petit bout de droit. Quoique. Attends. On va mettre un bout de droit pour nous donner la direction et on posera l'aiguille dessus. Donc on va en mettre un de 20. En position fixée. Ouais. Bah voilà. Donc on a la direction de notre aiguille là où il faut la positionner. Parce qu'on va mettre un aiguillage. J'avais dit courbe de combien? De 30. De 22,5 vers la droite. Ah ouais, on va se la mettre en lisse. Alors si on la met ici par exemple. Plaque. Pourquoi elle apparaît pas? Ah, c'est clic. Ah, voilà. Donc elle est ici. Ah oui, il faut que j'en ai une inverse. De toute façon. Je l'ai mis à peu près dans la ligne. Hein. Mais pour le bien, il faudrait que je mette une droite là-bas. Ah, j'avais fixé celle-là. Attends, on va la fixer. Type droite, position fixée. Tac. Oh, bah elle est pas trop mal, mon aiguille. Elle est où? Elle est là. Ok. Ah, il a pas gardé. Je pensais qu'il allait la garder quand j'allais taper dessus. Aiguillage 30 à droite. Donc je peux positionner en lisse.
Et là, il faut que je... Poutou! Lisse! Je suis bien lisse. Échappement. Ah, ok. C'est marrant, j'ai pas de coupure réseau. Vous m'entendez? Allô, allô, test. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Lisse. J'arrive pas à passer en position lisse. Ah vache. Qu'est-ce qu'il a le serveur? Ah oui, non, c'est un serveur Forge. Étrange. Étrange, étrange. Bon, là, faut que je me positionne pile sur la droite et en même temps... Faut que je vienne chevaucher ici. Et là, c'est pas... Bon, faudrait casser celui-là. Hein. On est d'accord. Je le casse? Ouais, allez. De toute façon, à terme, il va casser. Alors, casser la voie. Je me prends pour Leto. Casser la voie. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah, suite. J'avais oublié. Bon, là, on va en refaire un autre. Ah, faut un petit bout de droite. Oh, parrain. Type droite. Juste un tout petit bout. Juste un tout petit bout, madame. Oui, un petit bout de... Un petit, même un petit bout de 3. Un petit bout de 3, c'est pas... Hop. Hop. Ensuite, on lui remet une aiguille. À 30. Oui, à 30, pas à 3. Rayon de courbure de 3. Ah! Ça pique un peu, madame. Ça pique un peu votre rayon de courbure de 3. Bon, là, attends, je vais me repositionner pile sur le truc. Hop! Donc, on sort. Ah, ça n'a pas marché. J'essaye de mettre en correspondance. Bloc. C'est quoi celui-là, là? Ah, c'est l'aiguille. Attends, là, le bout de droite n'a pas marché. Ça, c'est le truc de l'aiguille. Hop. Il n'a pas voulu mettre ce petit sacré pan. Ah, parce qu'il y en a déjà un. Ah, ok. Eh ben, je vais te feinter la tronche. Regarde, regarde bien. Voilà. Oh, 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 oh. Ah oui, mais je vais pas pouvoir poser mon aiguille ici. Sinon, faut les faire un par un, puis éventuellement... Il faut les faire en réel et les casser après. Tant pis. Hein. Tac. Voilà. Donc, on sort ici... Ah oui, on est en décalage là. Oh vache, joli le décalage. Ah, ça va faire un joli S ici pour rattraper le coup là. Ouh là 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 là
j'aime pas ça. Ou j'aime pas ça du tout. Salut Axel. On va le tester tout de suite ce que ça va donner. Donc courbe personnalisée. Et merci pour le suivi. Hop. Ouais. Zup. Zup. Ouais. Admettons. Bon, ici, refaut une aiguille. 30. Vers la droite. Elles sont toutes à droite, hein. Ouais, je sais, c'est mal, mais bon. Fais ce qu'on peut, hein. Hop. Faut essayer de retomber sur l'autre, à peu près. Tac. C'est pas tip top. Et donc de là, on aura une voie en courbe qui viendra s'accrocher sur une des voies ici. Donc ça devrait le faire. Allez, on lance le truc. On crée tout ça. Pop. Hop. Ah non, brin. C'était trop longue. Bon bah tant pis. Ah non, il m'a fait sauter mon aiguille. Oh, brin. C'est le défaut du truc, hein. Là, j'étais en fixé, hein. Droite, en position fixée, il me semble. Voilà. Donc ça me sert de support pour placer mon aiguille. Type d'aiguillage, 30, 22,5 sur la droite. Oh, elle est en lisse. Et il faut que je la positionne donc sur ma marque et en même temps sur l'autre. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile tous les jours, les gars. Hein. Je pense qu'il faut que je recule. Là, ça a l'air pas mal. Tac. Ouais. Sera plus facile après quand ça sera fait. Allez, on la pose celle-là, comme ça on n'en parle plus. Elle est où? Elle est là. Hop, voilà. Et on dort. Une fois qu'on aura fini, on fera des petits tours en chouchou dans le truc pour valider que c'est bien posé. Puisque j'ai pas la drésine. Je crois que la drésine est à Paris. Bon, et ben on va poser. On va poser celle-là. Est-ce qu'elle est OK? Ah non, ça n'a pas l'air tip-top. Ah, c'est pas du 30 qu'il aurait fallu mettre. Je sais plus ce que j'utilisais avant. Ah, brin. Ah bah du coup, ça a fait sauter le... OK, voilà, je suis en train de tout faire sauter. OK, doc. Ok. Alors, aiguillage, bah c'est bon. On va le refaire. Ouais, il est un peu long en fait, hein. L'autre. Tac. Éventuellement, on peut le réduire. Probablement. En faisant tac et en se mettant là et en disant oh, je veux que ça aille jusque là. Ah, du coup il est plus allez, on le valide. Chac. Ah, ah, lui est pas tout à fait en face. Ah bah c'est pas grave, on va faire une courbe personnalisée. C'est encore le plus simple, hein, parce qu'avec les fixés ou les trucs, c'est toujours la galère. Donc
courbe personnalisée, ouais, pourquoi pas de 30, de toute façon on s'en moque. Hop. Salut Mika. Pourquoi il fait nuit? Ouais, pas mal là. Hop. Hop. C'est bon. On fait pareil ici. Ah, quoi que là. Elle s'arrête où la courbe? La droite. C'est pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Pop. Ah, des images perdues. Je peux plus cliquer sur le truc, c'est pas bon signe. C'est revenu. Hop, hop, c'est bon. J'espère qu'elle va tenir la co. Oh oh oh, Mme KG. Bon, nickel chrome. Donc là, il faut un petit bout de courbe, un petit bout de droite. Hop. Un aiguillage. Je me mets pile dessus. Ouais, bah l'autre, je le referai après. Hop. Un petit coup sur ce clou là. On va jusque là. C'est bon. Hop. Voilà, nickel chrome. Donc là, hop. Là, la distance, c'est un peu celle que je veux. On est bien là? Ouais, pas mal. Hop. Ah, non. Non, c'est pas terrible. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un système où ça se met bout à bout en automatique. On clique là et hop, lui il calcule la position. On remarque que c'est peut-être une amélioration à apporter au mode. Hein. Peut-être qu'en 1.9, parce qu'ils sont, en version 1.9, moi je suis toujours en version 1.7.2. Je suis pas sûr que ça soit tip top là. On voit pas bien en plus. Hein. Faudrait que je le mette est-ce qu'on voit de loin juste en le haut de l'écran? Ah, puis là ça a carrément bougé. Ok, là c'est bon. Ah, mais vous avez vu quand... Ah non, c'est le truc qui... Ouais, mais là on voit que c'est pas bon. Là on voit que c'est pas bon. C'est chaud patate. Chaud patate les gars. Ouais, parce qu'il y a la deuxième marque qui vient se remettre dessus. Ça a l'air pas mal là. Allez, on va vérifier ça. Hop. Non, pareil que tout à l'heure. Ah, ça m'énerve.
Parce qu'il y a un beau décalage quand même. Ça, c'est le point faible. Le gros point faible de ce mode. Quand t'es pas droit. Et donc quand tu peux pas te mettre en fixé. Le bout à bout des voies. C'est pas tip top. Sinon, je peux utiliser. Ah, je peux les remettre bout à bout. Bon, tant pis, on va faire autrement. Oui, si, c'est ça. Il faut que je tape ici. Et là, il faut que je vienne. Il faut que je vienne les booter à la main. En fait. En les mettant, hop, voilà, l'une sur l'autre. Est-ce que c'est bon là? Non, tac, 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 tac. Je me bats sur les plaques, ça va être pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais, on va dire que c'est bien. Donc, ah! Par contre, allô Houston? Oh non. Non. Non, pitié, pas ça. Bon, ouais, on va déménager ça. On va les mettre où? Ici? On va refaire un autre coffre. On va refaire d'autres coffres. Est-ce que j'ai du bois? Il me faut un double coffre. Plop, plop. Donc, alors on le pète, on va laisser juste un trou. Juste ce trou-là. Et. Plop, 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 plop. Ah, il s'est installé dans d'autres coins, le petit sacripant. Allez, on pète celui-là. Hop! C'est bon. Je vais récupérer du bois. Hop. Donc ce truc-là va gêner aussi. Plop. Est-ce qu'il va gêner lui? A priori non. On va faire une courbe personnalisée. Oh, faut déjà manger. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Courbe personnalisée. Tac. Un petit coup sur le clou. Et je voulais me raccorder à celui-là. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Et à celui-là, c'est faisable, Monsieur Capburi? Ouais, la courbe elle est pas trop moche. Non, c'est bon. Non, mais ça passe. Avec ces locaux, ça passe. Avec une pacifique, ça va pas le faire. Mais enfin, ça le ferait pas. Mais avec ces locaux-là, ça passe, je pense. Ce genre de rayon courbure de la mort qui tue. Après, on est dans un jeu. Hein. Donc je crois qu'ils contrôlent pas qu'une locomotive peut passer ou pas dans des rayons très forts. Et là, on est quand même un peu juste. Hein. Alors, il va falloir quand même... Ben, lui, il est limite. Lui, il faut le recasser. Alors, il doit y avoir... Ouais... On va les repousser encore un peu plus loin. Ah non, lui c'est celui de... Non, c'est lui, il doit rester là. C'est celui où il y a la clé et tout. Non, hop. Le reste c'est pas forcément utile, mais la clé doit être là. Du charbon, ça peut servir. Par contre, là c'est un peu le pain. Pourquoi il y en a aucun qui se... Ah si, ce... Oh là 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 là. Pff, le reste...
Le reste, ça pouvait aller dans celui-là. On va le mettre là. Tac, 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 tac. Voilà, je fais des bêtises. Enfin, je suis pas... Péter ma pelle. C'est pas les PNJ qui sont pénibles. Oh, jolie petite courbe là. Avec un contrebalancement. Mettre les petites fleurs. Et voilà. Tranquille jusque mardi. Cool. Merci Clampin. Ouais, cool, cool, cool. Bon, j'allais dire, on a tout raccordé. Que nenni. Ta la 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 la. Ta la 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 la. Ah, du coup, ça a sauté la courbe que j'avais mis. Alors après, éventuellement, ça, je peux le refaire. Hein, mais on le refera un autre jour. Là, on va juste raccorder comme décoré. En fait, on peut le refaire en sortant de la courbe plus... pour s'aligner sur celle-là. Ah non. Non, non, non. Erreur. Ah oui, non, pour s'aligner ici. Donc, faudrait sortir plutôt de la courbe. Ah oui, tu expliques à Real Mohican pourquoi tu veux qu'on tue tous les PNJ. Bah oui, ils sont plus efficaces, les PNJ. Ouais, parce que ça fait refaire tout l'aiguillage, toute la bif ici. Hein. Si on décale ça, ici. Ça fait retaper dans le truc, ça fait refaire la bif, alors que celle-là fonctionne. Elle fonctionne correctement. Ouais, j'ai eu des petites coupures. J'ai une petite coupure réseau. Alors, on va tenter le raccordement, voir ce que ça donne. Si c'est vraiment trop moche, mais on le fera peut-être pas aujourd'hui. Après, on va peut-être aller faire autre chose. On a posé quand même pas mal de voix, je trouve. Donc après, on fera peut-être un petit quoi qu'on fait. Ça, fallait qu'on le fasse. Le raccordement, on est obligé de le faire. Hein. On peut pas laisser des voix comme ça. Même si je suis... Je pense que je suis plus que tout seul sur le serveur. Je pense que je vais envoyer un message sur le Discord pour demander ceux qui abandonnent complètement. Pourquoi je vois pas la marque là? Je vois même pas où je suis. Ah, ça va pas le faire. Ils sont pas encore rentrés. Non, pas tous, mais bon, après c'est la 4G, hein, ça marche pas terrible. C'est souvent, c'est très fluctuant, c'est, il y a des pannes régulières. De toute façon, ce qui compte pour ces sociétés, c'est pas d'offrir un service de qualité. C'est plus du service public. Ce qui compte, c'est de faire du fric. Et faire du fric, eh ben, pour faire du fric, il y a pas 36 solutions. Un service de merde. Je suis désolé de dire un gros mot, mais ouais, ça va pas le faire. Ah, oh, prin. Ouais, vous savez, elles sont trop proches les unes des autres. Je veux bien venir m'occuper des PNJ et de Lul. Ha 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 ha.
Après, il faut les remplacer aussi, hein, Fredo. Merci. C'est du modé. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça m'embête. Ça m'embête. Bon, il y a le tiroir à faire, là. En plus, il y a le tiroir à faire. Bon, on aurait pu faire un tiroir en traviole ici. Hein. Bon, le tiroir, il doit pas être très long. En fait, il doit pouvoir laisser passer une loco. Celle-là, c'est... donc, de l'époque, c'est les plus longues. Après, on pourra en faire plus. Donc, il faut... Je crois que si on compte une quinzaine de blocs, on a facile, ça rentre et ça passe sans problème. Alors, ce qui m'embête, c'est d'avoir à refaire ça. Comme d'hab, on va se poser un gabarit. Une droite. Position fixée. Alors, on est plus en... Ouais, ça va plus marcher maintenant. Faut prendre du lisse. Tap. Ah, j'ai mis que 30. Attends, bon, on va mettre 80. Voire 100. Donc c'est un gabarit pour savoir si je fais une ligne droite ou je dois aller. Il y a encore manger. Il n'y a pas Zombietopia où les zombies remplacent les Techtopia. Un monde rempli de zombies. Audio, c'est pas assez. Ah si, ça va là. Ça va jusque là. Ouais, parce que là, ça le ferait. Hein. Bon, faudrait que je refasse tout mon truc. Mais la courbe, au lieu de faire ça, elle vient se mettre là. Mais il faut surtout que je refasse toute la bif. Ça, j'étais pas motivé. J'étais pas prêt pour faire ça. C'est du 50, 22 et demi. Bon, allez. Quand il faut, il faut. Hein. Vers la droite. C'est un poste que tu as fait au-dessus des voies. Où ça? Ah oui, elle va... Je suis pas tip top dessus. Comment j'ai fait? Bon, je suis embêté par ces trucs là. Bon, comme d'hab, on va les déplacer. Hein. On se garde juste un trou. On récupère. Ah, il est là. Et... Hop. Et on balance un peu de terre. Dont on n'a pas besoin. Alors ça, on l'enlève. Déjà nuit. Ah bah oui, on vient de manger. Après manger, la sieste. Hop. J'ai pas d'outils dans le mode pack pour déplacer les coffres. Peut-être. Si dans les tiroirs, je crois que ça va être faisable. J'ai pas le réflexe. Moi, c'est du modé léger que je fais. Hein. C'est du modé. Ouais.
Je veux pas me prendre la tête. Il faudrait que je fasse plus long le truc. Parce que là, en fait, je vois pas. Je ne vois pas où je suis. Et salut, fan de. C'est quoi ton truc? Parce que comme je connais pas, je vais pas le dire. C'est peut-être quelque chose de. De pas mignon. Pourquoi ça a disparu? ?200, c'est pas possible. 120 alors. Encore des images perdues? Ah, c'est pas. C'est... Ouais, 200, il veut pas. 200, il veut pas. Bon, il veut pas, il veut pas, hein. Il est libre. Il est libre, Max. Et certains, ils l'ont vu voler, mais il s'est fait bannir. Il s'est fait kicker du serveur. Parce que sur les serveurs, c'est interdit de voler. Voilà, bon. C'était ma petite contribution à la chanson française. Hop! C'est pas mauvais ça. C'est pas mauvais mauvais. Hop. On fait la même sur l'autre alors. Est-ce que je pète tout? On pète tout de toute façon. On refait tout. Hein. Allez, on pète tout. On pète tout. On pète tout. On pète tout. Hop. Allez, on pète tout. Ah, c'est agréable de tout péter. Oh, c'était spécial ça. J'aurais dû aller moins vite. C'était très très spécial. Ah, ça va être chaud dans le coin. Plop plop. Il faut casser cela aussi. Quoi qu'ils peuvent servir de point de repère. Hein. Ce qu'il y a, c'est que tant qu'ils sont là, je pourrais... Ah si, je peux les mettre, mais c'est spécial. On va remettre une droite ici. Raoul Covin. Clampin nous dit que Raoul Covin est décédé. L'auteur des Tuniques Bleues. Ah. Jamais été un grand fan des Tuniques Bleues. Par contre, chez le fiston, il a toute la collecte. Et je lui ai dit qu'à son âge, c'était pas raisonnable. Ah, je plaisante, bien sûr. Ah non, c'est pas une BD que pour les... Il y a des trucs subtils là-dedans. Il n'y a pas que des trucs pour les enfants. Il y a des messages. Roline. Alors, donc là on a fait une courbure de 50. Là on va faire courbure de 54. Courbe 50. Non, pas de courbe, aiguille, aiguillage 54, za droite. Et on se met sur notre gabarit. Alors là-bas on voit pas clair. Mais bon, après on peut se, on peut la régler à la mano. Hein. Ouais, on n'est pas tip top, mais on réglera ça finement. Ou on fait de la courbe personnalisée. Donc ça, je le casse. Oh vache, c'est toute la longueur. On va pas étaler avec la dentelle, hein. Ah, on est plein. Bon bah pareil pour celle-là, je pense, hein. Euh,
Il reste quand même des petits bouts de raccordement là. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Alors c'est les premières que j'ai fait, hein. Il doit y avoir des trucs pas nets là. Je suis déjà plein? Incroyable! Ça va permettre du coup de nettoyer un petit peu, hein, parce que je pense qu'il y avait des trucs pas nets. Hein. Alors là, ce que je ferais bien, c'est que je le... Si c'est du fixe, je le referais bien. Combine mes deux pelles. Pas encore. Elle est pas assez usée, celle-là. Seb, il faut pas le faire trop vite, sinon après on perd les 10% de bonus. Parce que là on va en avoir une neuve, mais parce que là, est-ce qu'on peut se faire du droit de fixer? Le tout c'est ça en fait. Si on peut faire une droit de fixer, limite ça m'intéresse. Ah ouais. Donc on va faire une fixée de 80. Pack. On va aller là-bas. Il faut que je tape sur mon petit plop. Il fait pas bugger mon mode. Non, il a des bugs, mais j'ai une vieille version. Il a des bugs, mais Bonjour tout le monde et un an. PFIOU, le temps passe vite. Ouais. Salut Hotbug et merci pour l'abonnement et pour les un an. Ouais, pop. Carotte de redstone. Pop. Merci à toi. Merci pour le soutien. Hop. Alors, on va essayer. Oups, on a éteint. Oh bah dis donc, ça marche là. C'est complètement dingue cette histoire. Voilà. On va faire ici. Et donc là, on va relier l'aiguille avec le truc là-bas. Donc je retape sur l'aiguille. Il tape sur des aiguilles, c'est numéro 1. Pam. Et là, on va venir ici. Mais bon, on va même carrément attendre. On va d'abord faire l'autre. Et on viendra se mettre pile poil. Allez, hop. Bonjour Elias. Et... Merci Sacha Malo pour... Sacha Malo, c'est rigolo. Pour le suivi. Alors, je suis dans une vieille version du mode, là. La 1.7.2, je crois. Alors qu'il doit être en 1.9. Et je suis en plus en version de Minecraft 1.12. 1.12.2. Donc, on aime le risque. L'agence du risque. L'agence du risque. Jennifer Hart. Jonathan Hart. J'espère que vous n'allez pas reproduire Amiens à l'époque où vous êtes dans le jeu, sinon ça va être la catastrophe. Non, bah non. On le fait déjà, la reproduction d'Amiens, on va pas le refaire une deuxième fois. Et... Ouais, alors ce qui est étonnant, c'est que tout à l'heure ça marchait pas et maintenant ça marche. Le... Oh ben on est presque pile poil là. Alors, on va la créer la droite et puis ça va être bien. La photo, c'était la gare, Lynn. C'était la gare que j'avais postée. C'est un festival ce matin. Bah, tu sais bien que mon but, c'est de remplir ton téraoctet. Ah, hein. Oh, il manque des rice. Oh, où est ma boîte bleue? Où est mon TARDIS? Oh non, brin, il est de l'autre côté. Je suis sûr qu'il est de l'autre côté, il faut que je remange. Et la vache qui se moque de moi. Ah, j'aime pas quand les vaches se moquent de moi. Tapez 7, tuez toutes les vaches. Elles sont moqueuses.
Hop. Salut Eugène du Nord. Eugène d'Achnor. Plop. Il me faut... Ah oui, a plus beaucoup de rails. Il me faut du rail, il faut probablement de la... On va refaire le plein de traités, de gravier, hop. Et il va falloir dormir. Où est le plumard? Ah. Bon, j'ai perdu mon plumard. Non, il est là. Ouf. Oh là, là c'est la panique. Ça commence à être la panique. On va se faire une petite... un petit temps calme. Comment ils disent dans le... Ils font comme ça? Hop, hop. On va changer, tu vas changer, tu vas sortir. Ouais, je te sors et puis on va te remplacer par un truc frais, quoi. Un petit truc frais, plop. Où j'en suis, là? Ah, je vais garder ma boîte bleue. Hop. 7. La pauvre bête, elle a rien demandé. Et merci It's Piketo pour le suivi. Et déjà, elle va se prendre... Eh, regardez, elle va se prendre une voix. Poup. Remarque, ça la fait pas moufter. Hein. Tu veux un coup de lit? Ah. Dégage de la voix. Ah, voilà. Normalement, les vaches, ça regarde passer les trains, mais pas sur les voies. Bon. Ça. Non, moi, je tue pas les vaches. Je tue que les creepers. Les zombies et les squelettes. Vous êtes partis dans un gros délire. Amour agence du risque. L'amour de l'agence du risque ou l'agence de l'amour du risque. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, allez, on va s'accrocher ça. Ici ça passe les gars. Ouais, c'est pas rouge. Bon, toi on va te couper hein. Ouais, t'es au bord du truc, tu menaces de tomber. Tu menaces de tomber sur la voie, tu es trop dangereux petit boulot. Adieu petit boulot, on t'aimait bien. Ah non, il faut arrêter de chanter parce que le il est là. Il est là, le J1. Hop. C'est une vache suicidaire, ouais, tout à fait. Alors, on va accrocher ça là. Oh, ça a l'air bien, non? Pourquoi je vois plus les... Ça m'énerve. J'avais des trucs en surimpression tout à l'heure. Je les ai plus. Ça m'énerve. On en a gros. Oh, il manque des rails segments. Qu'est-ce qu'on consomme? Heureusement que à force de démonter, on en récupère parce que. Poup. Hop. Oh, la courbe, elle est sévère, hein. Ah, c'est du 50. Après, c'est pour aller à Lille. Ils avaient qu'à aller à Amiens, hein, s'ils voulaient de la courbe... s'ils veulent aller tout droit, ils vont à Amiens. Non, mais... À un moment donné, il faut dire stop. Hein. Moi, je dis stop. Hein. Hop. Et hop, on va à Amiens. Bon, de toute façon, là, c'est pour le retour. Hein. Puisque là, c'est la voie qui va dans ce sens-là. Tchou-tchou. Oh, va falloir péter ça. Brin. Bon. Shello. Il est où le truc? Il est là. Pop. Ah, j'ai cru que... Non, ça a l'air pas trop mal. Encore que je remange. Non mais j'ai vraiment l'impression de tout le temps manger. Ou alors le fait de faire ça, ça surconsomme.
Ah, par contre, ça, j'aime pas ça, ouais. J'aime pas quand ça fait ça. Mais on n'a pas le choix parce que on peut jouer sur la voie en courbe, mais on peut pas jouer sur celle-là. Bon, la fixe, on va peut-être, si elle est pile poil dessus, on va pas s'embêter. On va aller mettre un coup de clou là-bas. Et on va venir régler la longueur ici. Hop. Oh. Le retour du bug. Je suis pas sûr qu'elle soit tip-top bien. Ouais, il va y avoir un petit décalage. On va prendre de la courbe personnalisée à long terme. C'est à cause de Coluche, si j'ai dit tout le temps ça. Vous vous en souvenez de ce sketch? Donc, ah, je suis en position fixée. Ouais, ça va pas le faire. Alors, lisse. Ah, c'est peut-être parce que j'étais en fixé que je voyais pas ça. Allez, un petit gling. Et on veut se raccorder ici. Ça a l'air pas mal. Hop. Oh là là. Ah, ma boîte bleue. Qui y est? Estas mia blua. Hein, je sais pas dire boîte. Qui est, c'est le petit mot pour dire où. Tous les mots qui posent une question quand, où, comment, ils commencent par un K en espéranto. Et par KI, qui. Et la terminaison E, c'est pour dire que c'est le lieu. Donc qui est, donc ça va être quoi, où, quoi le lieu, quel est le lieu, où, donc ça va être où. Le temps, ça sera quiam. Le pourquoi, comment, ça sera qui elle, etc. etc. Bon, faut les apprendre par cœur, hein, bien sûr. Donc, qui est Estas? Et il faut que je trouve comment on dit boîte en espéranto. Ça doit être simple. Scatolo. Parce qu'ils ont été parents de Questo, mais Questo, ça vient de l'anglais, hein. Le truc se fait de plus en plus envahir par le. Il se fait de plus en plus envahir par le. Par l'anglais. Donc c'est scatolo. Un objet rigide et creux ayant la capacité de se fermer. Oh. Donc mia blua scatolo. Après. Salut bis. Et esta c'est être. Dans le sens ici se trouver. Voilà. Donc l'autre par contre, on va être coincé par. C'est pas vrai qu'il faut que je mange déjà. Non mais il y a un truc là. Non non mais il y a un truc. Il y a un. Ah zut, celui-là. Bon. Je crois que ça va être bon en atelier, non? Il faut que je regarde ce que j'ai. Alors, comment ça pourrait s'appeler?
D'abord, est-ce que c'est dans le mode... Comment ça s'appelle? C'est quel mode ce truc? Attendez. Storage dravé. Storage dravé. Est-ce qu'il y a le truc? Ah, c'est ça. Ruban adhésif d'emballage. Emballe les tiroirs afin de pouvoir les déplacer avec leur contenu. Comment il faut faire pour avoir ça? Ah! Une boule de slime et du papier. Ah! Alors de la boule de slime, je dois en avoir, mais à Paris. Je pense pas que dans mes brins. Parce qu'il y en a combien dedans? Le problème, c'est combien il y en a, quoi. Oh non, il faut déjà dormir. Non, exagéré, exagéré là, exagérame. Hein. Il est 11h10, ça va, on est dans les temps. Je vais arrêter le live à midi, hein, histoire de me reposer pour être en forme pour le live de cet après-midi. Salut, Sacripant. Plop, 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 plop. Comment on va faire? Il n'y a aucune raison qu'il y ait du slime quelque part ici. Hein. On rencontre très rarement du slime en surface, à part dans un marais, la nuit, ce qui est assez chaud. Bon, bah, tant pis, on le pète et puis c'est tout. Hein. On va pas chercher midi à 14h. Ah! Et on perd tout ce qu'on a quand on le pète? Contenu scellé. Oh. J'ai rien compris. On va faire pareil avec lui. Il y a bien du sable, hein. Je le casse. Ah, quand on le casse, il se met en automatiquement en contenu scellé. Ah, c'est fou ça. C'est un bûche ou c'est une feuature? C'est peut-être parce que je le casse avec une pioche spéciale. Peut-être que j'ai une pioche efficacité 4, solidité 3. Non, c'est tout, c'est une pioche normale. Ça doit être une option du mode. Quand tu casses les trucs, ça les scelle automatiquement et... Ça va être probablement ça. Hein. Bon, bah, du coup, je dégage tout. Hein. Parce que on en profite. Ouais, mais il me semblait que par défaut, pour avoir déjà joué avec ce mode, bah dans Ragna Mode, par exemple, surtout, si on n'utilise pas ce scotch pour le sceller, on perd tout. Oh, il y a un contrôleur. Hop. Et un bloc pourri. Enfin, un bloc pourri. C'est de l'aluminium. C'est de la bauxite. Bon. Eh ben, on est pas mal là. On est pas mal, madame. Donc il faut qu'on raccroche ça. Et puis c'est bon. Le petit clou. Je pense qu'on va mettre une droite. Une courbe aussi, pareil. Hein, on va pas s'embêter. Mais c'est probablement une option hein, du mode. Et
personnaliser, on va se positionner pile poil. Tac. Un petit coup de clou. Salut. Pouille. Alors, pop. Après, vu le nombre d'allers-retours que je fais, faut regarder les statistiques sur les nombres de kilomètres parcourus. Quoique, je sais pas comment ils comptent les kilomètres parcourus en train. Hop, il manque des rails segments. J'ai ma Blue As Catolo, ma boîte bleue. Plap. Hop. Alors, bon. Oh non! Non! Je voulais casser ce bloc là, j'ai cassé ma voix. Quel boulet! Quel boulet ce Z! Hop. Quel petit boulet! Hop. Mâche, hein. c'est pour ça qu'on a enlevé les dégâts de sur le serveur. Il n'y a plus les dégâts de creeper. Ah bah du coup j'ai plus le. Ouais, il y a des petits bugs visuels. Hein. Bon, c'est pas la dernière version. Je suis pas sur la dernière version de Minecraft. Ok. On a compris. Hop. Alors. Pareil, quand tu recasses le petit clou là qui est resté en haut, c'est toujours dangereux. Enfin, il y a des. Il y a de la belle falaise là. À terme, ce truc-là, il va dégager. Hein. Petit à petit. Petit à petit, ça va dégager. Bon, le tiroir. Est-ce qu'on se fait un petit truc pour le tiroir? Une droite. De longueur, on avait dit combien? 15. Position lisse, on va pas s'embêter. Tac. Voilà. C'est là que tu t'aperçois. Ça fait petit, hein. Plop, plop, plop. Normalement, à la fin d'un truc, il y a du sable. Et puis, le heurtoir. Alors, maintenant, il va falloir raccrocher aux courbes qui sont là. Donc ça devrait pas être compliqué. On va refaire les courbes, en fait. Hein. Alors, j'espère que j'ai pas fait le S en une seule fois et que c'est en deux fois. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je reparte de là-bas. On va tout de suite le savoir. Ouf! Ça a été fait en deux fois. On va tout récupérer. Alors, on fait une courbe personnalisée. Hop. Pac. Un petit coup sur le clou. Et on va le raccrocher. Ah, j'espère que ça va aller. Ça va pas aller. Ça va pas le faire. Vous savez ce que ça va faire? Ça va faire un ventre là-bas. Ah, pas encore de trop. Non, je pensais que ça serait pire. Non, ça passe, ça va encore. Ça va encore. Par contre, ça ne doit pas passer parce que... Bon, quoique, ça se tente. Allez. Ouais, ça passe. Nickel chrome. Hop, hop, hop. Hop. Hop.
laisse comme ça. Bah pareil pour celui-là. Ah, est-ce qu'on... Pas beaucoup de choix. Je vais casser celui-là. Voir ce que ça donne. On va y arriver. Voilà. Le problème, c'est ici, là. Oh, c'est pas vrai. Juste ici. Hop, récupérer le truc. Sinon, il faut tout refaire. Il faut casser encore plus loin. Pour refaire d'un... C'est cette courbe-là qui est trop prononcée, en fait. Donc, mais c'est compliqué, quoi. Après, on peut retourner jusqu'à Cry comme ça. Hein. À un moment donné, il faut dire stop. Hein. Salut RTI 0506. Ouais, c'est ce que dit Laurent Cini d'ailleurs. Hein. On est reparti jusqu'à Paris pour refaire les voies. Ouais. Ah, bien sûr. Qu'est-ce que ça consomme? Qu'est-ce que ça consomme, les gars? Vous êtes gourmands, hein. Des petits gourmands. Ouh, attention, touche majuscule, sinon ça tue le plumard. Il est où? Hop, 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 hop. Le plumard rouge. Roja. Lit, c'est quoi? Lito? Dormilo? Bon, on va dire, pour l'instant, on va dire que c'est bon. On est tenu par les contraintes géographiques. Hein. Là, on passe dans les Alpes Picardes. Donc, on est un petit peu coincé. Il y a de la courbe. C'est normal. C'est tout à fait normal. En plus, c'est pas de la courbe méchante, hein, quand même. Ça passe. Bon, mais on a tout raccordé. Je pense que c'est bon. Plouge. On est bon ici. Bon, faudrait. Mais bon, de traviole, ça va pas faire sympa. Faudrait faire un heurtoir, mais. Tiens. Quoique la terre, ça peut toujours servir la terre. Hein. Ah, ce bloc-là, faut le casser. Bon, ben, bah, c'est tout bon tout ça. C'est très très bon. Maintenant, on va pouvoir sortir. Par contre, il va me manquer un. Toc. Je pense qu'on a tout est bon. Après, il faudrait tester les voies. Donc là, l'embranchement vers les voies de Boulogne, de la ligne de Boulogne à Amiens, Amiens-Boulogne plutôt dans ce sens-là. Ah non, j'ai ma boîte bleue. Et de l'autre côté, donc il y aura la gare qui sera ici. Et de l'autre côté, les voies de la Compagnie du Nord. Ah oui, encore du boulot là. Ah ouais, il faut creuser tout ça. Et après, il n'y a plus qu'à automatiser tout ça, ouais. Bon, automatisation légère, hein, je pense que j'irai pas aussi loin qu'à Paris. Ouais, pour pouvoir finir les voies qui rentrent jusque là-bas. Et puis après, voir ce qu'on fait au milieu. Hein. Puisque la gare sera ici. Je pense qu'ici, on va faire d'autres voies. Pour remplir le milieu. Mais ça sera des voies qu'on n'utilisera pas, en fait. Hein. Ah oui, parce qu'on arrive ici. Là, il faut se refaire un...
Donc si on fait d'autres voies, il faut faire des aiguilles ici. Et comme on arrive là, il faut que les aiguilles... Il faut que l'aiguille, elle parte d'ici et que ça parte par là. Mais on va déjà creuser droit. Bon, puis après, il faudra déplacer ce bâtiment. Vu la tâche du boulot, on va pas faire de quoi qu'on fait. Il reste 36 minutes. Bah, 36 minutes, on va creuser là. Puis on va dire des bêtises. Ici, non, il n'y aura pas de tunnel parce que c'est avant la gare. Les tunnels sont après. Je me souviens plus, il y a deux tunnels et ils sont faits. Alors, c'est pas du tout. C'est pas à l'échelle, c'est pas. Mais il y a les deux tunnels. Il y a le premier tunnel ici. Et il y en a un juste après. Il y a tunnel de Longueville et tunnel de. Je sais plus. Donc, on a bien nos deux tunnels. En fait, on a respecté. On respecte pas trop la ville, mais on respecte le fait que ça tourne autour de la ville pour repartir après sur Abbeville. Je pense que cette voie-là, on va la garder. Et elle sera probablement doublée. Est-ce qu'il faut qu'on en... Il faut qu'on fasse du. Sinon, ça va faire tout vide entre les deux. C'est ça que j'ai peur. C'est que ça fasse trop vide. On a peur du vide. Donc pour l'instant, on va dégager ça, mais après, il faudra dégager ce qu'il y a au milieu. Je vais peut-être rajouter un mode avec les tortues. Pour qu'automatiquement. Plap, plap. Ah, ou la carie. On va utiliser le mode carie. Qui n'a rien à voir avec un problème dentaire. Hein. C'est carré en anglais. C'est un faux ami. La carie. Bon, ben on est parti. Oh, ma pioche, elle va. Elle va péter, ma pioche. Il faudrait que je la répare. Merci ici chat pour le suivi. Le bâtiment qui tient avec de la terre. Ah non, il tient même pas là. Tiens, voilà, il tient. Ah non, il faudrait le faire plutôt tenir ici, parce que là, il y a... Voilà. Je suis déjà plein. Et il faut que je mange. Alors, déjà, ce qu'on va ranger, c'est qu'on n'utilise plus pour l'instant, c'est... Ah, je l'ai bloqué. Quelle andouille. Fait que je le pose comme ça. Voilà. Les graviers, les planches traitées, les trucs, et je vais mettre... Et tout le reste, c'est du brin de minage. Ah ouais, la TNT. Ça se fait comment la TNT? Il faut de la poudre à canon. Je sais pas s'il y en a en dessous. Durabilité 16. Il y en a qui aiment jouer avec le feu, hein.
14. Oh, ça va aller. Je te demande si j'ai pas installé. Ouais, il y a ce qu'il faut. Il faut juste que je me fasse. Jette un œil sur Discord, mais évite la crise cardiaque. Il me faut des bâtons de bois traités. Et puis. Ouais. Pop, pop, pop. Où j'en étais? Allez, il faut que je fasse une pioche avec du bois traité. Pop, pop. J'espère qu'elle est en... que j'ai... Ah, j'ai pas d'XP. Coup 3. Mais j'ai pas d'XP. Ah, brin. Vous aviez dit qu'il y en avait des bonbons magiques. En dessous. Alors, c'était où? Ça doit être dans celle là-bas. Ah, il y a tous les coffres aussi à l'extérieur, mais je crois qu'il n'y a rien là. Il y a un brin pas possible, mais... Ils sont assez colorés, hein, je crois, les bonbons magiques. Qu'il y a dedans quand même. Thermoélectrique générateur. C'est pire que mes coffres. Et merci au fait. Merci Chewan pour les 100 bits. Donc et pour l'affiche. Zossi. Là c'est que du truc normal. Dans les coffres, je crois que c'était vide. Essence. Bon, il faut aller à l'étage en dessous. Je sais plus comment on fait pour y aller. Ah oui, si. C'est qu'après... Oh tiens, il y a des frites. C'est que ça va faire laguer un max. Ah, ça, c'en est. Ouais. Oh, 459 000. Aïe, 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 aïe. Non, il me fallait juste 3 XP. Et puis, hein. Bon, bah, 28. 28 d'XP. Bon, c'est bon à savoir qui en a là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Ouais, parce que quand je suis ici, non, ça va, les trucs, c'est quand je suis ressorti la dernière fois d'ici, ça a galéré un max. Ah, faut. Ah non, ça doit pas être. Ça doit se refermer tout seul, je pense. Ouais, c'est ça. Oh ben, il fait nuit. On va dormir. On va vérifier qu'il n'y a pas de. Les creepers peuvent pas faire de dégâts. Je crois qu'ils mettent quand même des dégâts de cœur, mais ils peuvent pas faire de dégâts physiques. Ça fait mal quand on a l'habitude d'être en vanilla de voir l'XP. Bah, c'est ça qui m'a surpris en fait. Ça m'a un petit peu. C'était efficace. Bon, du coup, plop, plop, et hop, une toute neuve. Donc on va pouvoir taper un peu dedans. Bon, elle est pas hyper rapide, mais. En attendant, midi. C'est quoi cette méthode d'XP? Salut, ici chat. C'est du modé. C'est Mystical. Mystical Agriculture. Non. Enfin, Mystical quelque chose. C'est ce qui remplace Magical Crops. Donc tu fais pousser des graines. Et t'as n'importe quoi. T'as tous les. Tu peux quasiment avoir tous les items du jeu. Et tu peux avoir des petits bonbons magiques qui te donnent de l'XP. Donc deux stacks 28 XP. Paf. Et on peut avoir du diamant, de l'émeraude, tout, du fer. Tout est récupérable. C'est un petit peu de la triche, mais en modé, quand on veut être dans un monde où, là par exemple, je voulais pas passer des heures à miner des trucs et autres, c'est hyper pratique. On reste en survie, mais on se fait pas les longues trucs de, les longues séances de minage interminables. Bon, le terrassement, faut quand même le faire. Parce qu'on n'a pas les mods qui iraient bien. Ou les outils, hein, parce qu'il y a des outils de folie. Là, j'en profite pas du. J'ai des outils en acier, d'immersive. Hop, hop, hop. Hop, hop. Et bonjour à ceux qui arrivent. Hein. Bonjour le coujou. Bonjour à toi. Le but du mode, c'est de s'amuser avec les trains. Enfin, du paquet de mode, je suppose. Donc, on a des rails, beaucoup plus réalistes que les rails vanille. On a des locaux, je sais pas où elles sont. Elles sont de l'autre côté. Et puis voilà. Mais ça, je suis en train d'y penser, ça va être super long ce truc-là. Le pauvre boost qui a tout rebouché. Bon, les pauvres Z qui est obligé de tout retaper du coup. Bon, là, ici, ça, par contre, ça n'a pas été rebouché. Hein. C'était bien du. Alors, je vais mettre les. Immersive railroading. Tiens, la pelle, je vais la réparer maintenant.
Voilà, on gâche pas. Et il me faudrait... Ah, j'ai pas gardé de bois sur moi. Ah, ça c'est ballot. Je vais être obligé de couper un arbre. Ou pas. Attention où je place mes trucs. Ah, brun. Tiens. J'en ai que 3. À 4. Je me disais bien que j'en avais que tapé 4. C'est parce que si je veux pas. Ah, brin. Si je veux pas déplacer le coffre tout le temps, ça serait bien de le mettre judicieusement à la bonne hauteur. À la bonne hauteur, c'est quoi? C'est pas forcément ici. Non, la bonne hauteur, c'est là-bas. Ouais, c'est pas grave, on les répétera. Qu'est-ce qu'il y a dans ces machins-là? Ah, bah c'est ma boîte bleue. Ah, je sais pas la laisser là, ma boîte bleue. Je vais la chercher. Et la boîte rouge? Ouais, elle peut rester là, elle. Alors, tac, 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 tac. Pourquoi j'ai ça? Le truc traité, je vais le mettre dans la boîte bleue. Et hop. Ça c'est dangereux s'il y a un trou on tombe dedans. Hein. Mais bon, streamer pro, nos problèmes. Hein. Peut-être quand même se méfier. C'est là-bas qu'il y avait des trous. Donc on va se méfier. De faire quoi? Bah, je terrasse. Faut laisser passer mes voies, donc je casse le terrain pour qu'elle passe. La gare va être là-bas. Les voies arrivent d'ici. Hop, il faut aller à la gare. J'en ai pour jusqu'à midi pour casser ça, moi. Ça fait du bien, ça passe. Ça calme, je trouve. Bon, sauf si on tombe sur un creeper qui t'explose la tronche. Si tu tombes dans un trou avec de la lave. Enfin, genre de choses, quoi. Où là, ça calme. Du coup, ça te casse tout ton calme que t'as eu jusqu'avant. Un peu comme quand tu meurs, tu perds tout ton XP. Bah, là, c'est pareil. T'as une barre de calme. Elle monte, elle monte, elle monte. Et puis, pouf, t'as un trou, tu tombes dans la lave et ta barre de calme, elle est à zéro. Seb dit regarder Z, c'est comme regarder la F1, on attend l'accident. Est-ce que j'ai pas fait beaucoup de bêtises aujourd'hui, hein? Au niveau Zeil, on n'est pas. Ah si, j'ai cassé ma voix que je venais de poser tout à l'heure en. Ouais, sinon on a été assez efficace. On va peut-être finir le live en retournant sur Paris. Ça permettra de montrer un peu de chouchou. Bah on tape jusqu'à ouais, 45. Ça veut dire pas dans longtemps. Et puis on fait ça.
Clampin. Encouragez pas ce genre de petites remarques désobligeantes. Bon, de petits voyous. Que je mets au moins une pelle efficacité 4 hein, ou 5 hein, parce que là, elle est même pas, surtout que là j'ai de l'XP. Tiens, bah pareil, on va s'enchanter. Maintenant que j'ai de l'XP, on va s'enchanter une pelle. Alors j'avais mis un poteau là, hop. Fait nuit déjà? Non, ça sera tout ouvert en fait. Ici, c'est la gare. En fait, la tranchée, elle est censée plutôt être. La tranchée à Amiens, elle est plutôt censée se trouver ici. Donc plutôt ouais, plutôt à cet endroit là. Ici c'est, après c'est tout découvert, c'est la gare. Donc donc là il y aura quand même un dénivelé, mais là entre les deux il faut que ça soit tout cassé là. Tout ce qui est au milieu là, donc tout ça faut le casser. Tranquille peinard. Jamais sorti de France, tu connais pas la gare d'Amiens. Et maintenant ça s'appelle, avant tu pouvais dire ah, la Picardie c'est étranger quoi, c'est un pays étranger. Maintenant ça s'appelle les Hauts-de-France. Tu vois un pays étranger qui s'appelle machin de France. Alors c'est raté. Maintenant tu sais que c'est en France. T'as plus d'excuses. Bon, tac 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 tac. Allez, on va aller retourner à Paris. Du coup, on se fera des petits enchantements qui vont bien. Plap, plap. On va récupérer notre loco. Bah, comme ça, ça va nous permettre de tester un petit peu les voies. Oh, un petit poulet sur la voie. Par contre, pour repartir dans le bon sens, ça va être chaud. Ouais, faut que je fasse tout le truc. Bon, ok. Admettons. Il me faut de la flotte. L'eau, elle est ici. Mais il faut la remplir à la main ici. C'est pas très pratique. C'est pas très moderne, Amiens. Hein. On remplit les locaux au seau. Oh, c'est plein. Et là aussi? Oh là là, c'est terrible. Terrible, terrible, c'est plein. Ok. Bon, bah, il n'y avait pas besoin de. Faut juste la mettre en. Ah bah tiens. Oh, oh. Donne-moi du charbon. Voilà. Voilà, ça marche au carbon. Carbone. Carbone 14. Voilà, allez, on chauffe. Alors, on va la mettre dans le bon sens.
Donc là, on va sortir, on va dans le tiroir. Après, on ressort ici. Ah. 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 Faute. Donc on ressort du tiroir. Tac, on vient ici. Tac. Tac. Et on repart par là. Bon, ça y est déjà. Attendre au moins une trentaine de psy pour pouvoir avancer. Oh, ça va assez vite. Mon tiroir est peut-être pas très très long. Hein. On a de la place, on l'allongera peut-être un petit peu pour éviter de sortir parce que si on sort, on déraille. Hein. J'avais mis 15, mais. L'aiguille est passée. Bon, ça va, il y a de la marge. Hein. Hop. Ah non, elle n'est pas passée. Ok, on avance encore un chouche, un petit peu, un petit chouille. Hop. Allez. Marche arrière. Ah ouais, Lorenzini, ouais, c'est vrai. Faudrait que je relis mon champ auto à la salle des coffres, ouais. Faudrait que je m'en souvienne. 30 psy comme mes médecins. Salut MKZek, merci pour le suivi. Bon appétit Hotbug. Bon, on arrête dans 8 minutes, je pense, le temps d'arriver à Paris. Ça va être chaud, mais... Ah là c'est pas beau là. Ah. C'est pas très très beau. On remet tout droit. Thank you.
normalement ça passe. Oula là là. Je pense que l'arbre il va falloir le couper. Ouais, faudrait synchro les aiguillages. Ouais. Là, des choses à faire. Yolzaz pour le suivi. On va arriver à Creil. Oh, il va faire nuit. Déjà. Oh, le poulet. Ah, on l'a pas touché. Ça c'est rigolo. Bon, on va arriver sur à Paris. Commencer à ralentir. Est-ce qu'on a le carré fermé? Ah, carré fermé! Frein à fond, frein à fond, frein à fond. Ah. Ça, il faut que je trouve un système pour surtout les trains de voyageurs. On rentre au dépôt, ouais, 11h56, nickel chrome. Qu'ils aient la voie directe, quoi. Alors, je viens de Creil et je vais. Bah, c'est 4 dépôts. Oh, il y a un farmier. Voilà. Signal est ouvert. Hop, on peut y aller. Isisha, combien de temps je bosse sur tout ça? Ça fait un moment, mais j'étais pas tout seul. À un moment, on était plusieurs. Paris, c'est moi qui l'ai fait. Ça fait un moment. Ça fait une petite année que j'ai commandé le monde, je crois. Mais avec une grosse pause pendant Wicube, alors... c'est difficile de savoir combien de temps... Ah, en stats, j'ai peut-être le nombre d'heures jouées. Ah oui, en stats, peut-être. Alors... Bon app', Oya. Mais bon, je vais toujours tranquille, ouais. Je me presse pas... Ouais. Pour pas me lasser, j'ai plein de séries en même temps. Donc
Donc on la retourne, hein, pour qu'elle soit prête pour le prochain coup. C'est bien aligné. Oups. Pas encore eu trop d'images perdues. Hop. Et on va la remiser. C'est, y a juste ce qu'il faut en mode. Et c'est parce que je suis, j'adore les trains en fait. J'ai craqué. Après j'aime bien le modé aussi. Mais j'ai vraiment craqué sur le mode avec les trains. Hop. Allez, on jette le feu. Hop. Voilà. Mèche carbone. Hop, hop, hop. On va pas consommer beaucoup d'eau. Hein. Ouais, non. Bon, bah tant pis. Ce sera pour le prochain coup. Bon, on va arrêter. Mais midi. Midi pile. On arrête le live là. On a bien bossé quand même, puisqu'on a refait tout le plan de voie d'Amiens. On a refait tout le plan de voie d'Amiens. Maintenant, il n'y a plus qu'à finir la gare côté Compagnie du Nord. Puisque là, on a la gare côté la Compagnie d'Amiens à Boulogne. Hein, on se situe en 1845, au tout début du chemin de fer en France et dans le nord de la France. Alors bien entendu, les échelles ne sont pas respectées. Hein. Après, ici, on va jusqu'à Douai. Et puis ici, Lille. Et puis de Douai, on va jusqu'à la frontière belge. Là, c'est la mer du Nord. Elle a un peu monté, la mer du Nord. C'est pour ça qu'elle est près de Mons. Puisque Mons est une ville côtière. Et puis après, on fait un grand tour pour arriver à Bruxelles. En Compagnie du Nord et puis un peu de la Belgique. Poc. Et là, c'est Paris. Ah oui, j'ai pas fini la verrière encore à Paris. Ah, j'ai encore plein de petites choses à faire. Ok, Dac. Salut, Oran. Bonjour, Chouchou. Hop, hop, hop. Bon, eh ben je vais aller manger, me poser un petit peu tout ça. On se retrouve à 15h pour le petit live détente du vendredi. On fait la simulation de vol. On fait la dernière étape en Alaska, mais c'est donc la deuxième étape qu'on fait avec l'Antonov 24. Est-ce qu'on va réussir à le poser correctement? On verra bien. Donc à tout à l'heure. Sinon, demain je live pas, hein, puisque... vous savez ce que je fais le samedi après-midi. Ah. Et dimanche c'est repos, on va profiter de la petite fille. On se retrouvera lundi, peut-être après-midi, je sais pas. Sinon lundi soir 21h pour le défi. Des bisous, au revoir ou à tout à l'heure. Bon appétit, merci aux modérateurs, merci aux donateurs. Des bisous, bonjour à vous tous. Au revoir plutôt, bonjour c'est quand on commence. Ouais, donc c'est plutôt au revoir. Au revoir, au revoir. Pop, 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 pop. Bon, je vais aller regarder l'affiche, moi. Plus en détail.